Lundi 28 janvier 2019, L'amour est dans le pré fera son grand retour sur M6 avec la diffusion de la première partie des portraits. Afin de faire patienter les téléspectateurs, la sixième chaîne a dévoilé sur Facebook des images du portrait de François, un célibataire qui a connu un drame terrible. Le grand blond de 45 ans qui n'a jamais été marié et n'a pas d'enfant va sans nul doute toucher le cœur des téléspectateurs. Sa vie a en effet été marquée par une tragédie, la mort violente de son père, survenue après une promenade. Il raconte à Karine Le Marchand, quand il est revenu, un collègue passait avec un vieux tracteur et une remorque. La remorque s'est détachée dans les secousses et elle a bousculé mon père. Je suis rentré en quatrième vitesse et puis là, quand j'ai vu mon père étendu. Gros choc. Mes sœurs se sont raccrochées à moi au moment des obsèques. La disparition de son père et ses responsabilités à la ferme n'ont bien sûr pas aidé François à trouver l'âme sœur. Ce discret candidat qui est éleveur de vaches laitières recherche une personne autonome, qui fasse ce qu'elle aime et qui soit patiente. Le message est passé. Dans cette saison de L'amour est dans le pré, les téléspectateurs découvriront un autre François, originaire de Vendée. Nous avons également déjà fait un peu plus ample connaissance avec Robert, Francis, Jean-Michel, Sophie, Élodie, Bernadette, Charles-Henri, Didier et Sandrine.